Tac. Hey, salut tout le monde, c'est Idan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première vidéo sur ma chaîne YouTube, hein, quand même, sur Seven Deadly Sins avec la caméra en prime. Hein. On a fait un petit peu de l'achat. Je vais reprendre mon petit écouteur. Voilà. Et donc, on se retrouve sur Seven Deadly Sins pour le portail de la Lilia. J'ai pas invoqué, j'ai attendu d'être chez moi, de record et d'avoir ma petite confrérie qui est là à côté avec moi. Donc, on va bien voir. 1000 ans pour trouver l'adaptateur de ton casque. Aïe, ça va, j'ai pas encore commencé, Flo. Donc voilà, donc la Lilia bleue très intéressante et le pool est complètement abusé. Le retour de Meliodas démon bleu, on n'y croyait pas du tout. Franchement, même à 11%, on prend quand même, hein, y a pas de problème. Et puis le fameux Escanor qui est partout dans toutes les bannières maintenant. Putain, mon nez me gêne. Bon, enfin bref. Escanor qu'on retrouve partout, c'est n'importe quoi. Bon, la Valentine, moi je l'ai déjà. Franchement, là, dans tout ça, qu'est-ce qui me plairait? Bah la Iliog bleue, même si je l'ai déjà pour... je crois que je l'ai déjà d'ailleurs, je sais plus. Merlin bleu, bah on l'a eu. Qu'est-ce qui me manque dans tout ça, moi? Alors, qu'est-ce qui me manque? Bah il me manque rien, en fait, j'ai tout maintenant là-dedans, donc... peut-être des doublons sympas, ça pourrait être bien. On va espérer. Donc on est parti, on va faire deux cycles complets. Parce que je peux me le permettre, je suis à 795 gemmes. Donc deux cycles complets, plus les deux multi pour faire 31, hein, tant qu'à faire. Et puis, on espère que la luck sera avec nous. Hein. Allez, on est parti. On espère avoir au moins 4 ou 5 Lilia. Ça serait cool. Ça serait même vachement cool. Et après, comme ça, on va pouvoir attaquer le boss Gozer avec Lilia. Malheureusement, sans Meliodas démon. Bon, déjà, la première invocation qui pue du schneck. Déjà, tu sens que c'est mal parti. Oh, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Autant pour moi. C'est le SSR garanti. Ça fait plaisir. Pourtant, on était mal parti au début de l'invocation. On va tirer rouge. Est-ce que je vais... rouge. Pff. Doré. J'allais dire, est-ce que j'ai un switch, mais non. Non, non, c'est un SSR, même voire peut-être plusieurs. Non, qu'un seul. Dommage. Bon, c'est déjà ça de prix. Ouais, ouais, Meliodémon, il prend 300% de dégâts, ouais, je sais. Hein. Tous les démons prennent 300% de dégâts. Et tu ramènes un démon vert, il prend 600% de dégâts. C'est magnifique. Bon, les petites pièces qui vont nous servir à récupérer pas mal de popos. Semaine de farm oblige, hein, les popos, elles vont partir. Bah, la luck avec moi, j'aimerais bien que la luck soit avec moi, Flo, tu vois, la dropper première en multi, je dis pas non. Si c'est pas lui... Bah, pff, ah putain, non pas lui. Un bon coin shop. Hein? Un bon coin shop, non? Moi je trouve que c'est un bon coin shop. Bon bref. Mon premier CCR éclaté, hein, clairement. Mais c'est pas grave, on a le temps. La petite Jericho qui va monter sa spé. Je pense que je l'ai pas encore spé 6. Au départ j'ai pas pensé à monter les spé de mes SR, donc là il va vraiment falloir que j'y pense à le faire. Pour la training cave, très important. Faut pas négliger les doublons et les spé sur les personnages. Ça apporte des stats en plus en sub. Donc on prend. Bon. Quand même un SSR sur une première multi. C'est déjà pas mal. On va pas cracher dans la soupe. On en a 22 à faire, ça va être long. Ça va être long. Oula, le petit cochon. Ça brille. Ça brille, ça brille. J'aime bien quand il est dans cette posture-là d'habitude. Bon, ok. Prochaine fois, je me tais. Bon, le cochon, on se doute qu'on va avoir un Heliog de merde. Hendrickson Gauthier. Oui, Gauthier dans l'autre sens, tu veux dire. Ouf, oh, le tir est bleu. Mais est-ce qu'on peut vraiment avoir un SSR avec un tir est bleu? Telle est la question. Je vais défier... Oh, par contre, on est bien servi en SR, je trouve. Hein. J'aimerais bien défier les taux de drop. Un tiré bleu pour un SSR. Pareil, mon ban rouge, je crois qu'il est même pas 100% en niveau spé. Va vraiment falloir faire un tour dans ma box pour monter tous mes SR spé 6. J'ai 10 millions. Ouais, je pense que je peux full skip, mais bon. J'aime bien défier les probabilités. Tout le monde skip à un bleu. Et moi, je suis sûr qu'un bleu, il peut t'amener un SSR quand même.
Ah bah là, voilà, la Ellie. Parce qu'on avait le petit cochon. Hendrickson, même lui, je crois qu'il est mieux que le... Lui, je crois qu'il est même mieux que le SSR de merde. Bon, premier tour à vide. Enfin, première multi à vide. On en a fait une avec un SSR, une à vide. S'il me fait une alternance une sur deux, moi je dis pas non. Oh, ça brille. Épée cassée. Égalité là-dessus. Allez, le tirer. Donne-moi une bonne couleur. Doré ou arc-en-ciel. Arc-en-ciel! Allez, on tire. Ça, ça fait plaisir. Peut-être un switch. Non, pas de switch. Un SSR. Ok. Allez, on croise les doigts. Il n'y a que 3 personnes perso qui m'intéressent. Lilia Bleu, Meliodas Démon Bleu et Escanor. Pour l'instant, c'est le principal. Après, je dis pas non à une petite Jericho. Je dis pas non à des trucs comme ça, quoi. Mais ça serait un peu dommage. Oui, Diane. Petit Slayer. Alioni. Et au départ, quand on m'a dit son nom, je me souvenais plus de qui c'était. Quand j'ai relu le premier tome de Seven Deadly Sins, j'ai vu que c'était lui. Ok, ça marche, là, tout de suite. Et attention. Non, c'est pas encore maintenant. Par contre, il y a quelqu'un qui a trouvé de où ça commençait, les multi, parce que j'arrive jamais à savoir dans à quelle position ça commence. Oh là 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 là, c'est à chier. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que ça pue. Oh les SSR tout claqué au sol. Ah, je suis déprimé. Bon, on l'aura au moins 2 fois Lilia de base, mais... Mais c'est chiant. Tralalalala. Bon allez, la quatrième. La quatrième, c'est la bonne. Moi je dis la quatrième c'est la bonne, c'est Escanor, démon, c'est... Ouais, en fait non, il fait nuit. Donc ça sera pas Escanor. J'ai pas de démon non plus. Je me fais soulever. Je crois qu'on va skipper quand même quelques petites invocations histoire de gagner du timer sur la vidéo, sinon elle va durer 300 ans. Ah, c'est un tiré doré, on va peut-être le laisser. Ah, je me fais soulever. Est-ce qu'on peut avoir... Oui, non, j'abandonne pas, hein. J'abandonne pas, mais... Ouais, aïe, aïe, ouais. Hop, le skip. Bon, le SSR garanti. Est-ce qu'on peut avoir une petite animation Escanor? Parce que là, mes gemmes, elles sont en train de partir comme ça. Je suis en train d'arroser. Bon, ok. Petite animation étoile filante. Petite animation démon. Petite animation full counter. On peut espérer avoir plus d'un SSR. J'ai déjà eu 3 SSR sans animation Escanor, donc l'espoir est permis. Allez. Oh, seul. Allez, ça commence direct en plus. Pop, 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 pop. On est content. Hein? On est content. On est content de faire la vidéo, hein? Ouh, le skip! Le switch! Oh, merlin. Intéressant de monter sa spé ou pas? Aïe, 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 j'en sais rien. Oh, j'ai eu un switch, ça fait plaisir, mais aïe, 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 aïe. Ah ouais, cruel sum, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'étais tellement content d'avoir un switch comme ça. Ah, les boules. Bon, ça va, on a 2 sticks. À un moment donné, je vais bien dropper un truc qui est cool, quoi. Ce serait dommage. Bon, pour l'instant, ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 4 SSR en 5 multi, quand même.
Pas mal. 4 SSR en 5 multi. En 5 multi, ouais. Bah allez, moi je veux une multi comme, comme les gars de la confrérie, là, une multi avec 4 personnages dedans, là. 4 SSR. Moi je veux 4 SSR ou rien. Bon, ok, on se fait soulever. J'ai rien dit. Je m'excuse, monsieur. Je voulais pas te fâcher. Alors attention, le glisser bleu. Ah, égalité. Ah, il y en a que deux. On va skip. Ouais, non, mais tu vois bien de qui je parle, Soul, je pense, au niveau des tirages. Parce que moi, j'ai de la chance, mais bizarrement, là, en face cam, j'ai plus de chance. Ça cligne des yeux. Oh, la brandie. Oh, la brandie qui fait pas... qui inspire pas confiance. Mmh. On va tirer rouge, quand même, rouge. J'en ai une bonne avec mon rouge, moi, depuis tout à l'heure. Ouais, SSR, ça me fait plaisir. Allez, sérieux, fais pas le con, fais pas le fou, fais pas le fou, fais pas le fou, donne-moi un bon truc. Par contre, j'ai jamais compris de où ça commence les tirages d'invocation comme ça. Oui! Allez, c'est parti. On a enclenché le compteur. Ça a fait une. Oh, ça fait plaisir. Donc du coup, ça ferait 2 pour la fin du cycle, 3 avec la fin du deuxième cycle. Donc déjà, ce P3, c'est pas mal. Ouais, à Vox, j'aurais bien aimé qu'il vienne. Je voulais lui montrer un petit démon Meliodas, mais apparemment, il n'a pas l'air de vouloir venir. Il veut pas venir à Vox, il est pas là. On peut espérer un switch ? Non, 2 switch d'affilée, ça ferait énorme. Ouais, merci. Merci pour le GG. Ça fait plaisir. On va faire le stock de popo là cette nuit, là, le farm avec Meliodémon, là, il va être... pouf. Ça va partir, elle est bien, elle est là. Elle est là, la petite Lilia, fait plaisir. Par contre, comment je reviens en arrière? D'accord, ok. J'avais jamais cliqué sur un personnage comme ça en bannière, donc... Il suffit juste de cliquer dans l'image. Allez, on veut encore du SSR tout plein. Il fait jour, dommage, il n'y a pas Escanor. On a petit cochon, petit cochon. On se fait soulever, d'accord. Mais est-ce que tu me donnes plein de SR? Ah franchement, si je drop Meliodémon bleu, là, il va être P3. Pou pou pou. Ah, tirer bleu. Si je me fais pas soulever... Ouais, allez, on skip. Je me fais soulever. Tralala. Non, revenez, mes petites gemmes. Revenez. Ne partez pas trop loin. J'ai besoin de vous, après. Bon, la petite brindille, il brille pas des yeux. Il fait tout noir. Et je me fais soulever. Voilà. Aïe, 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 aïe. Donc là, pour l'instant, on n'a que 5 SSR. Oh, tirer bleu. Si je me fais soulever, je dégage. Salut, Bloubou. Bienvenue à toi. Oh, il y a pas mal de SSR quand même, là. Est-ce qu'on peut avoir un SSR? Non, il y a pas mal de SR, excusez-moi. Est-ce qu'on peut avoir un SSR sur un tiré bleu? Moi, je veux défier les probabilités. Je suis sûr, il y a moyen. Allez, Doguette, Twigo. Bon, apparemment, c'est pas, ça sera pas dans celle-ci qu'on aura un SSR avec un switch sur un tiré bleu. Bon, l'étape 10, du coup, la Lilia à la fin de ce step-up. On l'aura ce P2, du coup, ça fait plaisir. Aïe aïe aïe, ça sent pas bon. Ouah, ça sent pas bon. Je vais encore me faire soulever. Oh non, full counter. SSR. J'ai rien dit.
Attention. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Allez, une petite Lilia. Franchement, encore une petite Lilia, moi je dis pas non. Oh, ça sent le switch. Oh, ça sent peut-être le switch. Ah non, il y en a une dedans. Et il n'y en aura qu'une. Donc, est-ce que je vais avoir 3 jaunes puis après la SSR? Si c'est ça, je sais par où ça commence maintenant, du coup. Le petit Eli rouge, là, que je vais monter sa spé pour les démons rouges, là. J'ai vu que ça faisait un carnage. Pire que Slayer. Donc là, c'est la SSR, si j'ai bien compté. Eh ben non. Je sais pas par où ça commence. Et ils sont aléatoires, les starts des invocations, parce que j'ai l'impression qu'en fait ça démarre jamais du même endroit. Ok, Alioni. Non, pas encore. Je veux savoir ce qu'il sait. Ah, me donne pas. Et franchement, il me donne un Hendrickson. Je vais péter un câble. J'annonce. Donne à Hendrickson, je pète un câble. Ah, Other. Ça va. C'est un beau doublon. C'est un beau doublon. C'est un beau doublon. Il va partir en spé. Donc voilà, la petite Lilia qu'on récupère. Et, par contre, ce qui me fait peur... Ah, tirage étape 1. Allez, c'est parti. Deuxième cycle. On peut se le permettre, donc deuxième cycle. On est parti. Petit cochon. Allez, franchement, il y a moyen d'avoir une... Moi, je veux au moins une animation Escanor. Pour pouvoir faire ça. Attention. On va tirer bleu. Si je me fais soulever, je skip. Hop là. Ok. Des doublons, encore des doublons. Deuxième. Allez, allez, on y croit. On y croit. Allez, fais un full counter. Non, pas de full counter. Allez, petit jeu. Ah, j'ai l'impression que ma chance, elle m'a quand même quitté, quoi. J'ai rien eu de terrible. Hein. Un Other. Pouah, on se fait soulever. Allez. J'ai eu un Other. J'ai eu une Lilia. Et après, j'ai eu deux Hendrickson. Et la cinquième, c'est qui? Je sais plus c'est qui l'autre. Ah, ça brille. Les yeux brillent. Par contre, je suis pas en mode démon, je suis en mode normal. Ça pue, non? Moi, je pense que ça pue, là, encore. Allez! Ah, oh, tu l'as pas soulevé. Peut-être un switch. Ok, Gilsender. Arthur. Golgus. Dreyfus. Merlin bleu. Pourquoi tu me parles de Merlin bleu, Flo? Ah oui, c'est la personne que j'ai eu, le SSR que j'ai eu en plus, merci. Merci, merci, j'étais en train de chercher. Allez, un petit switch. Oh là là, que dalle. Le switch de rien du tout. Pas deux fois Wind 8. Wind 8 d'ailleurs. Allez, fais pas ton radin. Bah si, va faire son radin. Tralala. Attends, on va sortir un petit peu du... On va sortir un peu histoire de refroidir le jeu, parce que là, j'ai tellement fait surchauffer le truc qu'il me donne plus rien. On va récupérer tout ça là. Trois petits pendentifs. Merci monsieur.
des petites coucoupes, des petites enclumes. Bon, après, à la fin, on va récupérer Lilia verte, mais bon. J'avais déjà Lilia verte. Donc, ça m'intéresse pas des masses. Et je pense même pas que lui mettre une spé en plus, ça va vraiment l'aider. Allez. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai vraiment pas de chance hein, sur ce step-up. C'est fou, hein. Allez, ça sent le SSR là quand même, s'il vous plaît. Ah, c'est jaune, c'est doré. Ouais, je me fais soulever. Aïe, aïe, aïe. C'est dur là. Là, ça devient dur. Bon, on arrive au SSR garanti. Viens, Escanor. S'il te plaît, mon frère. Viens. Fais-lui un petit cruel son dans sa gueule. Non, t'as pas envie de venir. Allez. Allez, allez, allez. Oui. Ah bah oui, je suis con. Pff, je m'éclate du jeu. Le gars, il s'excite parce que c'est SSR. Mais ouais, mais c'est SSR garanti. Rigolo. Deux. Non, un. Et ça sera en deuxième. Soit en deuxième, soit à la fin. Ah bah non, en premier. Oui. Cruelson. Allez. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est du très bon doublon. On dit pas non. On dit surtout pas non. Merci, Blue. Ah, ça fait plaisir, là, j'en pouvais plus. J'avais pas de chance. Allez, five. Et maintenant, prochaine invocation. Prochaine multi. Je veux des mots Melio bleu. Pour l'avoir ce P3. Comme ça, il va encore plus taper fort. Mais franchement, une multi avec les trois dedans, Lilia, Melio bleu et Escanor, mais là, c'est la multi de rêve, quoi. Ah, je m'attendais à un petit switch, hein. Il a pas voulu, hein. Il a pas voulu, hein. Ah, salut Avox. Ça y est, t'arrives pour démon, pour le milieu bleu. T'es prêt à le voir arriver? Il t'attendait, hein. Franchement, il t'attendait, il est pas venu, il a dit je viens pas. Avox, il est pas là, je viens pas. Le petit doublon Escanor. Escanor P2. Allez, c'est parti. Oh, le Heliok. Pas de clignage de yeux. Pas de marque de démon. On se fait soulever. Alors je sais pas si les gens ils avaient remarqué. Moi j'ai remarqué un truc un peu choquant. Après il y a peut-être une logique parce que moi j'ai lu que les mangas donc je peux pas savoir au niveau de l'animé. Mais au début de l'invocation, Melio il a les yeux bleus. Et quand soit il se fait soulever ou quand il soulève le Albion, il a les yeux verts. Comment il fait pour changer de couleur de yeux comme ça? Parce que noir, ok, il se transforme en démon. Mais de bleu à vert, c'est quoi le rapport? Je croyais qu'il allait switcher le cristal, là. Donc si vous avez la réponse là-dessus, parce que j'ai pas encore... je viens seulement de commencer l'anime, donc... j'ai peut-être pas la référence. Mais les yeux, ils changent de couleur, c'est rigolo. Le reflet de la lumière. Ah ah! Mais il fait noir dans les invocations. Il n'y a pas de lumière. La lumière, c'est Escanor qui nous la porte quand on a un double SSR. Ah, ouais, d'accord, c'est un démon, mais ça va, ils changent leurs yeux de couleur comme ils veulent. Un jour, je mets vert, un jour, je mets bleu, un jour, je mets violet. Allez! Celle-là, c'est pour toi, Avox. Melio bleu. Je colle. Ouais, surtout avec Hawk, super. Ça sent pas bon. Ah, égalité, c'était déjà ça. Oui, ça, je sais que les chats, ils ont leur...
leurs iris qui changent de couleur. Là, là on est en mode démon, ça se voit, il y a les yeux marrons et tout, noir. Oh, on se fait quand même soulever, oh là là. Bon, on va quand même se réconforter. On avait un Escanor, qui a pas mal. Par contre, mes gemmes, elles s'en vont, ça fait mal. Allez, 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 allez. Un SSR, s'il te plaît, fais pas le fou. Fais pas le fou. Pouah, t'as fait 12 quand même sur le... Ah ouais, t'as fait un step complet plus les deux... Ouah, mais c'est pas possible, mais quand est-ce qu'on va le soulever, là? Ah, je me fais pisser dessus, là. Ça va pas. Il me reste 3 multi. 3 multi pour aller chercher le Graal. La triple multi avec les trois persos badass. Non, 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 4. Allez, 4. 4 pour faire le... Pour aller chercher le miracle. Allez, petit Melio. C'est maintenant qu'il faut venir. Oh, il fait beau déjà. Bon, on a la brindille. Ça sent le tiret bleu. Ça sent le tiret bleu. Qu'est-ce que j'avais dit? Aïe, 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 c'est pas possible. Allez, vas-y, tu me soulèves encore. Ah, il donne le mort quand même le jeu hein, dans ces moments-là. Ouais, un héros de bannière garantie. J'ai pas compris là. Non, tu vas pas me dire que quand tu fais une deuxième fois le step-up, c'est pas Lilia que tu récupères. Eh franchement, s'ils ont fait ça... Oh, j'ai même pas fait attention. SSR ? Oh, le switch. Là, ça va être la surprise de savoir où il est. J'ai un switch. Ah ouais, non, mais avec tout ça, là, je vais farm comme jamais. Laisse tomber. Demain, je fais le stuff SSR gauche de Lilia, vu que j'ai un stuff full air pour Lilia. On va essayer le Gozer Boss tout à l'heure. Je pense que le L, je passe pas du tout, mais bon. J'ai pas les ressources qu'il faut pour passer le L. Ouah, grille à mort. Par contre, j'ai pas fait gaffe sur le step 10 si on récupérait une Lilia ou pas. Putain, si on récupère pas Lilia sur un deuxième cycle, c'est fou. Ça marcherait qu'une fois. Allez. Allez. Pouauzer. Bah, on va pas cracher dessus, mais c'est un bon doublo quand même. Vas-y. Que je rigole. Ah si, quand même. Et franchement, là, à un moment donné, j'ai eu un gros doute. Hein. Donc ça veut dire que sur la 10e invocation, on a forcément un SSR. Non, parce que là... Un héros de bannière garantie. Donc en fait, c'est comme ici, quoi. Ah non, là, c'est un SSR. Et ben franchement, moi, je sais pas si vous le saviez, mais moi, je le savais pas. Donc là, bah oui, de toute façon, on est con. Un héros de bannière garantie. Et ça veut dire quoi? Un héros de bannière? Parce que là, un SSR garanti, c'est forcément un de là, en fait. Je comprends pas, en fait. Ah oui, là, j'ai ma Lilia verte, ouais, mais... Mais ce que je comprends pas, c'est ce truc ici, en fait. Un héros de bannière garanti. Ah oui, d'accord, en fait, c'est juste Lilia. C'est juste que j'ai eu de la chance que là, j'ai eu un SSR dans celui-là, quoi. C'est juste, j'ai chaté quoi. Bon allez, les deux dernières, parce que c'est intéressant de faire 31. Pour deux multi, mais sinon je l'aurais pas fait.
Et puis, on va s'arrêter là pour l'invocation, hein. C'est déjà pas mal, 30 minutes d'invocation là-dessus. Allez, vas-y, 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 vas-y. Allez, s'il te plaît. Oh, je me fais soulever. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà vu une animation où on se fait soulever et qu'on soulève quand même? Parce que moi, ça me dit rien, en fait. Je pense que quand on se fait soulever dans tous les cas. Ouais, 2 SR. Allez, la dernière, mes gens. La dernière pour ce superbe portail de Lilia. Franchement, ils nous ont fait attendre dessus, mais quand ils nous l'ont donné sur un beau plateau, hein. Franchement, je pensais pas avoir... Ouh, SSR. Par contre, le cochon me fait peur. Le cochon me fait peur. On finit au moins en beauté avec un SSR. Peut-être deux. Allez, tu me donnes Lilia, tu me donnes Melio, tu me donnes Escanor. Et comme ça, je suis tranquille. Putain, ouais, c'est deux SSR. Oh, le délire. Pourquoi j'ai eu toutes les animes? Tu veux dire que quand t'as étoile filante plus démon, t'as forcément deux SSR? Bon, allez, bravo. C'est pas un mauvais doublon. C'est pas un mauvais doublon, on va pas cracher dessus. Par contre, c'est le rouge, celui-là, si je dis pas de bêtises. Non, le vert. Celui du PVP, je crois. J'arrive pas à les reconnaître, les deux Elbram. Ah ouais, d'accord. Et ben, c'est sur une animation comme ça que j'ai déjà eu 3 SSR, en fait. J'ai tout eu. Les étoiles, le démon, le counter, j'avais tout eu. Et j'ai eu 3 SSR, en fait. Donc, ok, celle-là, c'est au minimum 2. Oh, là, il y... Oh, dommage. Dommage. 2 SSR pour tout ça. T'es sérieux? Pourquoi tu me fais ça? Allez. J'y crois pas au skip. Non. Eh ben c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon. Franchement, là, on a un peu beaucoup claqué. Je pensais avoir un peu plus de luck que ça, mais c'est pas grave. On va garder tout le... On va dire qu'on va garder nos gemmes et qu'on va garder notre luck pour après. Parce que ce qui arrive après, ça va être du sale aussi, donc... Franchement, on va garder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la vidéo ici pour la VOD. Moi, en stream, vous inquiétez pas, je reste là. Et on va voir un petit peu pour monter tout ça. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao tout le monde.